Donc il vous faudra de la patata rouge. Donc il y a deux marques, il y a Fimo et patati patata. Donc tout va bien. Du violet. Donc c'est la même marque. Ça doit être quoi ça? Une sorte de rouge violet en fait, plus clair. Et Fimo. Mais celui-là c'est un translucide, mais vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous aurez besoin de votre lame. De votre rouleau. Donc là, moi j'en ai deux. Donc il y a la lame de précision et la lame normale. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous aurez besoin du coulis. Donc le coulis, il y a une vidéo qui est marquée. Et vous aurez donc d'autres. Et un frigo. C'est utile des fois. Et pour les gâteaux, c'est vraiment utile le frigo. Je suis en train de chercher après autre chose. Et d'un emporte-pièce rond. Et moi, j'ai un socle, en fait. Donc voilà. Qui est pour nettoyer, d'ailleurs. Ça a plein de pâtes. Donc, on va prendre de la pâte rouge. De la pâte rouge. Et je vous ai passé le dawa du truc, en fait. Parce que la pâte... patati patata, elle est moins chauffée. C'est doux. Donc on va venir étaler la pâte. De même en fait avec l'emporte-pièce. Donc moi vu que ça a mal coupé le rouge, je l'ai refait avec mon scalpel en fait. Parce que moi c'est un plastique, le mieux c'est d'avoir un ferraille, mais je sais pas, j'ai foutu sur un ferraille. Donc voilà. Donc là en fait on va juste venir étaler. Donc j'ai oublié de préciser, mais il avait surtout les plans de travail. Parce que j'en ai une qui marque. Et quand c'est comme ça, c'est galère. Donc voilà. Donc là, on va faire la même chose. On va prendre la pâte un peu prune, violet, rouge. C'est un peu mélange. Et en fait, on va venir l'étaler et puis faire un pâte avec. Tout simplement. Et en fait, je redis la même chose, mais vous faites trois ronds, c'est tout. We'll be right back.
qu'on a fait maintenant dans 3 mois en fait. Et on va les superposer. Et là, pour ça. Excusez-moi, mais j'ai pas fait attention. C'est pas grave, c'est plein de travail et t'as fait. Parce que moi je voulais que ça coule, donc je voulais que on voit bien le côté cool. Là je vais juste le mettre au frigo pour que ça soit assez comment dire, pas pour que ça soit assez durci pour marquer quelque chose dessus. Et on repassera après 20 minutes. Vous laissez ouais, au moins 20 minutes dans le frigo. Donc on va juste prendre de la pâte fluorescente en fait. On va la chauffer. On va mettre ça de côté. Et je vais travailler sur mon plan de travail normal. Parce que là il y a mon truc dessus avec le caramel qui coule et je suis pas fan. Donc moi je l'ai pas laissé longtemps, mais le mieux c'est de mettre dans le congé. Quand tu mets dans le congé, ça durcit la pâte et ça durcit au fait le film liquide. Comme ça vous êtes sûr que ça tient, et etc. Là par contre, je vais juste faire ça. Pour mettre le 2. Et j'ai oublié vous préciser, vous aurez besoin d'une pointe pour placer. Pour placer le truc correctement. Donc là, votre boudin a fini, vous reprenez votre gâteau. Comme ça. Donc vous reprenez votre macaron ainsi que votre macaron. Votre gâteau ainsi que vos trucs. Et puis vous marquez l'ample 2. Hop. Que moi j'ai pas envie de le finir comme ça. Juste. Je passe beau. Vous faites pareil après avec le zéro, etc. etc. Bon bah je l'ai fait sans vous. Vous m'excuserez. Donc je vais reprendre un petit peu de colis du coup. Après vous faites pareil que pour le 2. Hein. Vous le mettez, vous gênez pas quoi. Vous regardez en fonction de ce que vous voulez. Là je vais juste remettre un petit peu de colis parce que je veux qu'il y en ait un petit peu sur le. Le 2020 pour que ça fasse mieux je trouve. Puis après on va mettre à cuire. Donc voilà après cuisson. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Likez, commentez, abonnez-vous. Et puis je vous souhaite une très bonne année à tous.